Ah oui, activer mon son, c'est mieux. On la refait. Bon, du coup, maintenant que mon micro est branché, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et donc, merci d'être présent pour cette première Conf Kids de la rentrée. Comme vous voyez, on est un peu rouillé. Hein. Nous aussi, on a passé l'été, enfin, l'été est passé sur Doubs même. On espère que vous allez bien, que vous avez profité de ces quelques mois de repos, que le retour à l'école ou au collège s'est bien passé. Et on est très heureux de vous retrouver. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Conf Kids, ce sont donc des discussions pour les enfants à partir de 8 ans avec des personnes qui changent le monde pour essayer de construire un avenir plus souhaitable. Et alors, pour avoir cette discussion, je dois d'abord vous montrer comment ça marche. Pour les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, vous écrivez vos commentaires sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, etc. Et puis, on les lira. Et vous pourrez également nous suivre sur Bayam TV aujourd'hui, sur la page de l'Institut des Futurs Souhaitables, sur la page de nos amis de Mouvement Up, etc. Donc, n'hésitez pas à nous mettre vos commentaires. On va les chercher et on pose les questions à Barbara. Pour les personnes qui sont sur Zoom, vous pouvez directement discuter avec nous. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Hop, je vous partage mon écran en 2 secondes. Donc, quand vous êtes sur Zoom, tout en bas de votre petit carré Zoom, vous avez un bloc où il y a marqué Q et R. C'est pour questions et réponses, et on peut même dire que c'est pour questions et remarques, parce que si vous n'avez pas de questions à poser, mais que vous avez une remarque à nous faire, une idée à nous partager, ou quoi que ce soit, une intervention, quelle qu'elle soit, chez ConfKids, vous êtes chez vous, vous n'hésitez pas à nous écrire ça dans le petit carré qui va s'afficher ici. Vous écrivez là où il y a marqué ma remarque ou ma question ici, vous cliquez sur envoyer et nous, on voit votre question, votre remarque ici. Si vous voulez prendre la parole et on vous invite fortement à le faire, n'hésitez pas à profiter de notre invitée aujourd'hui, discuter avec elle. Vous cliquez sur la petite main qui est en bas. Nous, on va voir ici que vous avez levé la main et on va vous donner la parole. Et surtout, vous n'inquiétez pas, vous n'apparaissez jamais à l'écran. Par contre, vérifiez bien que votre micro est branché de manière à ce qu'on vous entende. On vient de passer quelques mois compliqués avec les histoires de Covid et puis on avait envie aujourd'hui de prendre un peu de hauteur, de rêver. Et donc, on a invité une femme extraordinaire. Alors déjà, on l'adore, c'est une amie. Et puis, elle a déjà fait une Conf Kids. Elle a fait la toute première Conf Kids il y a 1 an maintenant et à l'époque, on ne filmait pas encore les Conf Kids. On s'est dit, c'est pas possible, il faut que tout le monde entende ce qu'elle a à nous dire. Elle s'appelle Barbara. Et Barbara, elle peut nous permettre de vivre sur d'autres planètes. Et elle va nous raconter ça. Salut Barbara. Salut Déborah, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et ben nous aussi, on est ravis. Alors, on va juste faire un premier test pour vérifier que tout le monde a bien compris comment ça marchait. Je vais vous poser une question et vous levez la main si vous avez déjà rêvé d'être astronaute. Levez la main, que je vois qui sait lever la main. Ok, c'est bon, il y a plein de gens. Ouais, ben ouais, vous êtes nombreux, évidemment. Vous êtes nombreux à lever la main. Ben oui, nous aussi, on a rêvé d'être astronaute. Toi aussi, Barbara, t'as rêvé d'être astronaute? Oui, oui, mais ça va se passer. Hein. Ça va se passer. On va tous aller vivre sur d'autres planètes. C'est parfait. Merci. On va faire un deuxième test. Je vais vous montrer une image et vous allez me dire, est-ce que vous reconnaissez cette planète? Et si vous la reconnaissez, vous me marquez dans la partie questions-réponses. Qu'est-ce que c'est que cette planète? Alors, est-ce que vous reconnaissez cette planète? Écrivez-moi ça dans le question-réponse. La Terre, Noé, bravo. Qui d'autre? Bon, ça y est, on a spoilé la fin. La Terre, qu'est-ce qu'il y a? La Terre, Constance. Oui, Eva, c'est bon. Alors là, il y a un numéro, 84, 88, c'est bon. Sophie, c'est bon. Natalia, c'est bon. Bon, tout le monde a reconnu la Terre, c'est super. Bon, eh ben, je vous annonce que vous savez tous vous servir de Zoom. On est très heureux de vous retrouver. Et Barbara, on t'écoute, fais-nous rêver. Ok, je vous emmène dans l'espace. Alors, on va retourner, hop là, je vais partager mon écran aussi. Et on va retourner sur la Terre. Donc, merci Déborah de nous avoir emmené voir cette magnifique planète qui est notre planète bleue. Alors, la Terre, on l'appelle la planète bleue, bah, tout simplement parce qu'elle est constituée principalement, enfin, à grande majorité d'eau. Donc, c'est une très jolie planète qui s'est créée il y a 4,5 milliards d'années, comme vous devez le savoir. Et sur cette planète, on a beaucoup d'êtres vivants, dont nous, et on vit et on respire grâce à l'oxygène qu'il y a sur la planète, grâce à l'eau qu'il y a sur la planète. Donc, j'avais une première question à vous poser. C'est une question que j'avais déjà posée à la première conférence KID qu'on avait fait avec Déborah. Est-ce que vous savez d'où vient l'oxygène que l'on respire sur Terre? Alors, n'hésitez pas à nous répondre dans le question-réponse, justement, ou même à lever la main. Si vous avez envie de lever la main et puis quelqu'un a envie de nous le dire en direct, vous êtes les bienvenus. Alors, Noé me dit qu'il ne voit pas la vidéo. Ah, tu vois pas la vidéo?
Là, il n'y a pas de vidéo, c'est une image. Noé, est-ce que tu vois l'image au moins? Je pense que tout le monde la voit. OK. OK. Alors. Les arbres, les arbres, les arbres, les arbres. Eh ben non. Eh ben non. En fait, à plus de 50%, l'oxygène que l'on respire, l'oxygène que l'on respire sur Terre, en fait, il vient des océans. Et dans les océans qu'il y a sur Terre, il y a un petit plancton qui, en fait, transforme le dioxyde de carbone, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, et qui le transforme en oxygène. Et donc, à plus de 55%, en fait, l'oxygène que l'on respire sur Terre est, en fait, généré par les océans et pas du tout par les arbres, contrairement à ce que tout le monde pense. Et l'autre partie, bien entendu, l'autre partie de l'oxygène, en tout cas 20% de l'oxygène, 55% donc généré par l'océan, et 20% de l'oxygène est aussi généré par les plantes. Et c'est ça qui nous permet de respirer aujourd'hui. Donc la Terre est vraiment, c'est notre vaisseau spatial extraordinaire qui nous permet de nous déplacer à travers toute la galaxie et tout le système solaire. Et sur la Terre, on a réussi à développer de la vie pour différentes raisons. Et une des principales choses, c'est que la Terre, elle est dotée d'un champ magnétique. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un champ magnétique? Vous pouvez répondre aussi dans le question-réponse. Alors, dites-nous. Vous pouvez aussi lever la main, n'hésitez pas. Ouais, si quelqu'un a envie de prendre la parole pour expliquer ce que c'est le champ magnétique, on écoute avec plaisir. Est-ce que quelqu'un se lance? C'est une grosse question en même temps. C'est... Ah, tiens, il y a Sophie. Sophie, on te donne la parole tout de suite. Alors, attends, bouge pas. Tac, c'est… Hop, Sophie, on est avec toi. Tu as le micro. Allô, allô? Alors, normalement, ton micro marche. Du coup, tu n'as plus qu'à parler. Non? Bon, bah écoute, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas grave. Eh bien, tant pis, on va aller chercher la réponse directement auprès de toi. Ah, il y a Julien qui nous répond, qui attire un aimant. Oui, évidemment. Ben oui, tout à fait. Et en fait, la Terre, c'est une grosse boule de feu, en quelque sorte. C'est l'image qu'on voit maintenant à l'écran. Donc, l'intérieur de la Terre, il est composé donc, tout autour de la boule Terre. On a d'abord la croûte terrestre. On a bien sûr tous les continents, toutes les choses qu'on voit au-dessus. Puis, quand on rentre à l'intérieur, en fait, on a un manteau qui elle est pour simplifier, on va dire que c'est un peu comme la lave des volcans. Et donc, on a ce manteau qui entoure un noyau et un noyau qui est liquide et qui a un état liquide très, 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 très fort. C'est vraiment une boule de feu. Alors, des températures, c'est jusqu'à 7000 degrés à l'intérieur du noyau de la planète Terre. Et en fait, ces températures extrêmement fortes, avec toute cette comme un magma, et en fait, il y a énormément de fer à l'intérieur de ce noyau-là, génèrent un champ magnétique. Et donc, vous voyez comme deux aimants qui s'attirent, c'est comme si à l'intérieur du noyau de la Terre, on avait plein d'aimants. Et en fait, du coup, toutes ces interconnexions entre ces aimants font qu'il y a comme un grand, grand, grand bouclier qui se met en place autour de la Terre. Et en fait, du coup, si on voulait un peu représenter le bouclier qui entoure la Terre, c'est ça que ça donnerait. Donc, la Terre, en fait, elle est propulsée dans l'espace et elle avance avec son bouclier magnétique qui la protège, du coup, contre les radiations du Soleil. Parce que ce sont les radiations du Soleil qui viennent, en fait, attaquer, si on peut dire attaquer, mais qui viennent attaquer la vie. Et donc, sur Terre, il y a ce champ magnétique qui s'est créé et qui protège complètement la planète. Donc, il y a autre chose qui est aussi intéressant, et c'est pour ça qu'on parle de vaisseau spatial Terre, c'est que la Terre, en fait, elle n'est pas du tout statique dans le système solaire. Déjà, elle tourne sur elle-même et elle avance. Donc, elle tourne à plus de 100 000 km à l'heure. Et ensuite, elle se déplace à l'intérieur du système solaire dans notre galaxie à plus de 700 000 km à l'heure. Donc, en fait, quand on dit que la Terre, c'est un vaisseau spatial, c'est un peu ça. Nous, on est tous les humains sur une planète qui est en mouvement et qui fonce à travers l'univers. Super, merci. Alors, Amy, elle nous a demandé ça sert à quoi le noyau. Du coup, Amy, tu as eu la réponse au moment où tu posais la question. Pourquoi l'eau ne s'en va pas quand la Terre tourne? Désolée, on fait un petit détour par la gravité vite fait et puis ensuite, voilà. On revient dans notre sujet. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, l'eau s'en va pas quand la Terre tourne parce qu'effectivement, quand elle tourne sur elle-même, aussi, ça permet de générer ce champ gravitationnel qui, en fait, va du coup bloquer. Et on va tous un peu être collés contre la planète. Vous voyez, c'est comme quand tu fais tourner... On va faire des expériences. c'est comme quand on fait tourner quelque chose de très, très vite. En fait, il se retrouve plaqué
contre un bout à un moment donné. Faudrait... La prochaine fois, je ferai des expériences, je promets. Ouais, on fera ça, ça marche. On fera C'est pas sorcier. Mais donc, du coup, c'est un peu ce qui se passe sur la Terre. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi le fait qu'il y a, la couche d'atmosphère et, donc, et le champ magnétique, la couche d'atmosphère et la gravité qui font que tout reste collé sur la Terre. Et en fait, c'est une super bonne question qui me permet d'enchaîner avec cette planète-là. Alors, c'est un peu une question piège. Est-ce que vous reconnaissez cette planète ? Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de mettre dans le question-réponse si vous pensez connaître la réponse. Alors, moi, je vous annonce tout de suite que quand on a fait la répétition, je n'ai pas reconnu la planète. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des réponses ? Mars ? Noé répond Mars. Eva, c'est Mars dans le passé ? Ben ouais, oui. Bravo, Constance. Bravo. Vous êtes plus fort que moi. Hein. Ben, bravo. Ben, c'est exactement ça. C'est Mars dans le passé. Donc, c'est Mars il y a 4,5 milliards d'années. Donc, en fait, les deux planètes, la Terre et Mars, c'est comme deux sœurs. Elles ont à peu près le même âge. Il y en a une qui est un peu plus grosse que l'autre. Donc, la Terre fait à peu près deux tiers plus grande que Mars. Donc, Mars, c'est une planète qui est relativement petite. Et au début, les deux planètes, elles se ressemblaient énormément. Donc, ça, c'est une image de ce à quoi ressemblait Mars, en fait, il y a 4,5 milliards d'années. Donc, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau sur Mars, il y avait des nuages, il y avait tout un cycle qui ressemble énormément, en tout cas c'est ce que pensent beaucoup de scientifiques, qui ressemble énormément à ce qu'il y avait sur la Terre. La problématique, et c'était ça la bonne question, de se dire mais comment ça se fait que l'eau elle reste sur Terre et qu'en fait elle ne s'est pas évaporée et qu'elle n'est pas partie. Ben, c'est un peu ce qui s'est passé sur Mars. Donc ça c'est Mars aujourd'hui. Donc l'eau s'est évaporée et l'eau a quitté la planète sous sa forme liquide et sous sa forme de vapeur. Il reste un petit peu d'eau sur Mars qui est sous forme de glace et on pense qu'il y a encore un peu d'eau qui est cachée sous la croûte de la planète. Mais ça, on doit envoyer encore pas mal de missions avec des petits robots pour aller creuser, pour aller vérifier ce qui se passe. Il y a une mission qui part bientôt, il y en a beaucoup qui sont déjà partis cette année. Et donc, du coup, Mars, elle a perdu son eau. Et elle a perdu son eau et aujourd'hui, elle ressemble beaucoup plus à ça, à un grand désert. Alors que la planète Terre, c'est plein de vie, on a des océans et on a des grandes forêts et on a plein d'animaux. Et ben sur Mars, au début, il y avait beaucoup d'eau et ça ressemblait beaucoup à la Terre. Et maintenant, ben, la petite sœur de la Terre, elle est devenue toute sèche et toute désertique. Et pourquoi ? Alors, on ne sait pas exactement encore pourquoi, mais il y a plusieurs théories. Et surtout, on revient sur cette histoire de champ magnétique et sur cette histoire de noyau de planète. Donc ça, c'est la même coupe que ce qu'on voit ce qu'on voyait tout à l'heure de la planète Terre. Et en fait, là, quand on regarde Mars, donc on voit que c'est à peu près fait pareil. C'est-à-dire qu'on a un noyau au milieu qui est une graine, on a un manteau qui entoure, et on a deux manteaux en fait, qui vont entourer le noyau. Et après, on a une croûte qui est tout autour et qui est la croûte de la planète. Ce qu'on pense de ce qui se passe sur Mars, c'est qu'en fait, le noyau, il ne serait pas, comme on a sur la planète Terre, un noyau liquide en fusion et qui génère énormément de champs magnétiques. Sur la planète Mars, ben en fait, ce noyau, on pense qu'il est plutôt figé et qu'il n'est pas liquide. Et en tout cas, qu'il n'y a pas assez de différence de température à l'intérieur du manteau pour générer ce que je vous expliquais tout à l'heure avec tous ces aimants qui génèrent le champ magnétique. Et donc, en fait, ce qui s'est passé sur Mars, c'est que Mars, au fur et à mesure, elle a perdu son champ magnétique. Et ça, c'est une image où on voit ben, le soleil et les radiations solaires. Et en gros, ben, c'est un peu comme si vous allez au soleil sans mettre de la crème solaire sur une plage. Et donc, vous finissez tout rouge et tout brûlé. Ben, si on veut comparer, c'est un peu ce qui s'est passé pour Mars. C'est qu'elle a perdu sa protection, elle a perdu son bouclier. Et du coup, elle s'est fait vraiment brûler par le soleil et par la radiation solaire. Et toute l'eau, en fait, s'est évaporée et est partie. Alors, on nous demande, Barbara, comment on sait qu'il y avait de l'eau sur Mars ? Alors, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a de l'eau encore aujourd'hui, et l'eau, en fait, est à l'état de glace. Et ensuite, on a retrouvé des preuves. Quand on regarde sur les roches, en fait, quand l'eau passe sur les roches, ça laisse des traces. Et donc, aujourd'hui, nous, les êtres humains, et pas que les êtres humains, nos robots et nos machines, elles savent reconnaître quand, en fait, il y a de l'eau qui est passée par là. Et donc, on a envoyé beaucoup de sondes et beaucoup de petits robots qui ont pris plein de photos. Et sur ces photos, on a vu en fait qu'il y a de l'eau qui est passée, qui a laissé des marques. Pourquoi nous... Alors, je te laisse me dire les questions si jamais il y en a d'autres. Ouais. Alors, pourquoi nous n'avons pas chaud avec le noyau ? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. En fait, la chaleur pour sortir, c'est pour ça qu'il y a des volcans.
Donc, en gros, tout est contenu et il y a comme une couche de protection, en fait, avec les différentes couches. Donc, il y a le noyau, le manteau, et en fait, il y a comme une couche de protection qui vient protéger ensuite la croûte terrestre, les continents et après nous qui sommes au-dessus. Donc, qui vient un peu garder la chaleur et qui garde la chaleur à l'intérieur. Quand il y a des moments où la chaleur, elle est trop forte et que ça a envie un peu de s'expulser et de souffler un peu, bah, du coup, ça vient faire des trous dans la planète et on a des volcans qui se forment. Et en fait, du coup, cette chaleur, elle vient s'expulser par le volcan qui vient souffler un grand coup et qui vient propulser cette chaleur qu'il n'arrive plus à garder. C'est un peu comme un four. En fait, le four, bah, quand vous touchez le four, la porte du four, elle peut être un petit peu chaude, mais grosso modo, toute la chaleur est gardée à l'intérieur. Bah, nous, notre croûte terrestre, elle fonctionne un peu comme ça. Elle garde toute la chaleur à l'intérieur. Et si jamais il y en a trop et que la planète n'en peut plus, bah, on a les volcans qui sortent et qui viennent expulser. Et qui viennent expulser en fait le chaud. Alors, il y a pas mal de questions très très techniques. On ne va pas pouvoir toutes les prendre là tout de suite parce qu'on va avancer un petit peu dans la présentation, mais on ne vous oublie pas, on les reprendra un peu après. Et il y en a certaines auxquelles je vais répondre directement par écrit, en espérant pas dire trop de bêtises, mais on revérifiera tout ça après. Au pire, je m'amenderai à la fin en disant j'ai dit une bêtise là. On t'écoute, Barbara, vas-y, continue. Et du coup, donc là, pour revenir sur Mars, donc voilà, donc ça, c'est un peu Mars. Donc on ne voit pas à l'œil nu le champ magnétique, mais en fait, Mars, elle avance, elle a quand même un petit champ magnétique parce qu'elle a quand même son noyau, mais vraiment tout petit, qui la protège pas du tout des rayons du Soleil. Et donc, si on regarde et qu'on compare les deux, ben, d'un côté, on a la Terre avec son super bouclier bleu qui avance, notre super vaisseau spatial qui traverse l'univers et qui est tout protégé avec son magnifique champ magnétique. Et de l'autre côté, ben, il y a sa petite sœur Mars qui a perdu son champ magnétique et qui, quelque part, se prend un petit peu tout dans la figure. Donc, ça a été très compliqué pour la vie de naître sur cette planète. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand on regarde les deux planètes, donc elles se ressemblent beaucoup. Elles se ressemblent beaucoup parce qu'elles se sont déjà ressemblées dans le passé. Et puis, ben, il y en a certains qui voient, qui ont un petit peu peur avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, avec le réchauffement climatique, avec ben, voilà, le réchauffement climatique, la disparition des espèces, toutes ces problématiques qu'on a aujourd'hui, les tempêtes, enfin voilà, et qui se disent en fait, la Terre, à un moment donné, est-ce qu'elle ne va pas connaître ce qui est arrivé à Mars et devenir une planète complètement désertique sur laquelle on aura du mal à faire subvenir la vie. Et puis, il y en a qui pensent dans l'autre sens, qui se disent qu'en fait, bah, la vie, on peut continuer, il va falloir qu'on travaille à la protéger sur Terre. Donc, nous aussi, c'est ce qu'on essaye de faire. Et qu'en fait, peut-être qu'on va pouvoir aller un jour sur Mars et en fait, aller quelque part, je n'ai pas envie de dire aider, mais oui, c'est un peu ça, aller aider la petite sœur de la Terre et en fait, lui ramener la vie qui s'est développée sur Terre et aider à ramener la vie sur la planète Mars pour qu'elle puisse redevenir verte un jour. Donc, on a un certain nombre de personnes dans le monde à travailler sur ces projets-là et à se dire bah, comment est-ce qu'on fait pour créer des habitats dans lesquels, sur Terre, on arrive à vivre en harmonie avec l'environnement, en harmonie avec la nature, et on arrive à protéger notre écosystème Terre. Et en même temps, comment ces habitats, on pourrait aussi les transporter sur la planète Mars dans le futur. Et donc, nous, c'est ce sur quoi on travaille. Et donc, du coup, ben, ça, je vous montre, c'est une petite vidéo des stations qu'on est en train de développer. Donc, on crée ces stations qu'on appelle Ibios. Et donc, c'est des stations dans lesquelles, bah, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a des grandes serres dans lesquelles on fait pousser des plantes. Il y a plein de systèmes de petites maisons qui sont un petit peu modulaires, qu'on appelle des fleurs. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un module. Et on recrée, en fait, des petits écosystèmes de vie à l'intérieur de ces bulles, à l'intérieur de ces chrysalides. On peut aussi les appeler comme ça. Hop là. Et donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, en fait, un village, donc les villages qu'on va construire sur Terre et qu'on construira dans pas si longtemps que ça, hein, parce que vous serez en pleine forme et peut-être qu'on pourra vous emmener sur Mars, et qu'on construira sur Mars d'ici à peu près 15 à 20 ans. Donc, nous, on est en train aussi de préparer à la vie sur Mars, mais d'abord, on le fait sur Terre. Et donc, ces petits villages, en fait, comme je vous disais, c'est des combinaisons de modules. Donc, nous, les modules, on les appelle des fleurs parce qu'on trouve que, voilà, on a un peu un, comme vous voyez, on a ces systèmes avec quatre dômes, et donc ça ressemble un petit peu à des fleurs avec des pétales. Et sous chaque dôme, il y a un environnement particulier qu'on recrée, dans lequel on fait pousser des plantes, on traite l'eau,
on recycle, on traite les déchets. Et ça permet en fait aux hommes de vivre à l'intérieur de ces bulles et de vivre tout en pouvant manger, tout en recyclant tout, sans rejeter quoi que ce soit qui va abîmer la planète. Et donc là, on est en train de travailler à la construction d'un premier module comme ça. Donc on va en faire un aux États-Unis et un en France. J'espère l'année prochaine pouvoir faire la première saison de ConfKid l'année prochaine. On les fera à l'intérieur de Ibios. Ça sera là. Mais oui. Et donc, du coup, ce à quoi ressemble un module. Donc, on a une serre, on a un système de traitement d'eau, traitement des déchets. Et là, tout petit, dans les petits tunnels, on voit les humains. C'est pour vous donner un peu la taille de ce à quoi va ressembler ces grands modules. Et donc, ça, ça vous permet de visualiser. En fait, si on met les modules sur Terre et qu'on les met dans des grandes plaines, dans des grands terrains, voilà un petit peu ce à quoi ça pourrait ressembler. Alors, ça ressemble, effectivement, Déborah, tu avais dit la dernière fois que ça ressemblait à des chrysalides. Oui, on aime bien avoir ces références un peu à la nature. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi ces références à la nature, c'est important d'un point de vue ou d'un autre? Oui. C'est important parce que pour nous, en fait, la technologie, c'est bien quand ça sert à faire des choses utiles, donc quand ça va dans le sens de la planète. Et la technologie, c'est un peu, en fait, on fait que copier ce qu'a déjà fait la nature. Et donc la nature, ça fait 4,5 milliards d'années qu'elle est là. Nous, les humains, ça fait pas très très longtemps qu'on est là par rapport à toute l'existence de la vie. Et du coup, la nature, elle sait quand même bien faire les choses. Donc, elle a su s'installer et développer les meilleurs systèmes. Donc, nous, on essaye de regarder beaucoup ce qui se fait dans la nature pour nous inspirer, pour essayer de recréer ça. Donc, c'est pour ça, dans tout ce qu'on fait, il y a toujours un peu ces références aux animaux et à la nature. Et du coup, on va D'accord. essayer d'amener tout ça sur Mars. Donc, ça, c'est l'image un peu, c'est l'image de ce que donnerait la station sur Mars. Et on espère qu'un jour, ça va prendre des centaines d'années pour pouvoir recréer du vert sur la planète Mars. Mais un jour, on espère qu'on pourra visualiser une planète toute verte avec ses dômes et plein de vie qu'on pourra emmener sur une autre planète. Et donc, du coup, à l'intérieur des dômes, ce qu'on fait, c'est qu'on met plein de plantes. Bon, je vais reposer une question à notre auditoire. Est-ce que vous reconnaissez cette plante? Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez répondre sur le Q&A, les questions-réponses. Alors, est-ce que vous reconnaissez, est-ce que quelqu'un reconnaît? Kezia, je sais que tu es là, hein, je te donne la parole juste après. Je voulais juste pas couper Barbara en pleine présentation des Ibios. Est-ce que vous reconnaissez cette plante? Moi, je la reconnais pas du tout. Des bananes, on me dit des Ouais, exactement. bananes. Ouais, c'est les bananes. On les voit là-bas. Donc c'est comme ça que poussent les bananes. Donc c'est des grands arbres et en fait c'est des grosses branches de bananes qui poussent toutes ensemble. Et la particularité du bananier, c'est qu'en fait une fois qu'il a fait tous ses fruits, donc cette énorme grappe de bananes, donc c'est un peu, on connaît les grappes de raisin, mais on ne parle jamais des grappes de bananes. Et les bananes poussent en grappe comme ça tout ensemble. Et une fois que l'arbre a donné les fruits, en vrai, il faut, si on veut pouvoir refaire pousser des bananes, il faut planter un nouveau bananier, en fait. Donc, il faut le déraciner et en planter un nouveau. En fait, ce n'est pas un arbre qui produit continuellement des bananes. Et donc, du coup, c'est un peu plus comme une fleur, on va dire. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a sorti sa grappe, et puis après, c'est fini. Et donc, il faut recommencer. Bon, ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. On pense que le bananier produit tout le temps des bananes, mais non, non, ce n'est pas du tout le cas. Qui reconnaît ce fruit? Ah, ça, je sais. Ah. Ça y est, j'ai enfin une réponse. Eh bien, tiens, Kézia, on va te donner la parole. Hop, comme ça, si tu veux répondre. Tac. Kézia, t'es là? Oui. Salut, comment ça va? Ça va bien. Est-ce que tu as reconnu le fruit déjà? Des mangues. Oui. Bien joué. Alors, attends, tu levais la main depuis tout à l'heure. Tu voulais nous dire quoi? C'était en rapport avec les planètes. C'était pour... Mais en fait, là, on a déjà répondu à ma question. Mais Ah bah très bien. c'était pour savoir si à un moment on va aller, par exemple, avec des fusées sur Mars. Ah bah bon, alors c'est un grand oui, hein, je pense. Oui, c'est un grand oui. Oui, on va aller avec des fusées, on va aller avec des fusées sur Mars. Donc il y a une société qui s'appelle SpaceX qui travaille à développer la fusée pour aller sur Mars. Donc aujourd'hui, ils font plein de tests donc aux États-Unis, dans le Texas. Donc, ils ont commencé à construire
la plus petite en fait, va pouvoir nous emmener sur Mars. D'accord. On ira sur Mars d'ici une quinzaine d'années, on verra les premiers humains aller sur Mars. Aujourd'hui, on envoie plein de robots. On ne s'est pas encore envoyé les humains, mais on attendait d'avoir la fusée. Et là, la fusée, ils sont en train de la construire. Donc, Bon, merci Kezia. Et alors du coup, alors les mangues, on va envoyer des mangues sur Mars? Ouais, on va envoyer des mangues sur Mars. Nous, à l'intérieur de nos serres et de nos ibios, en fait, on a plus de 55 variétés de fruits et légumes qu'on cultive, et dont des bananes, dont des mangues. C'est pour ça que je vous les montre. Et parce que les mangues, c'est super bon. Et qu'en fait, quand on est sur Mars, on n'a pas juste envie de manger des petits insectes et puis des sachets de poudre. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est dans l'espace qu'on doit mal manger. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille à développer à l'intérieur des ibios des systèmes qui vont permettre de cultiver des fruits et légumes. D'accord. Super, merci. Et ça, alors, qu'est-ce que c'est? Des papayes. Non. Des fruits de la basson. Ah, non. On va donner la parole à Sophie maintenant. Alors, attends. Hop, Sophie, c'est à toi. Hop, Sophie, est-ce que tu peux brancher ton micro, s'il te plaît? Tu as levé la main. Il faut juste brancher le micro, activer ton micro et normalement, c'est bon. Non, toujours pas? Bon, je crois que ton micro ne marche pas, Sophie. Je suis désolée. Il faudra réessayer après. Alors, qu'est-ce que c'est, ces fruits? Alors, ces fruits, ça s'appelle tamarillo. Donc, ce n'est pas très connu en Europe parce que c'est un fruit qui pousse dans les régions tropicales. Et donc, tamarillo, en fait, c'est le petit cousin de la tomate. Donc, quand vous regardez bien, ça ressemble effectivement un petit peu à une tomate comme quand on la coupe en deux, sauf qu'en fait, c'est sucré. Donc, c'est vraiment très, très sucré, plutôt comme un petit goût de mirabelle. Donc, ça ressemble à la tomate, mais c'est un petit goût de mirabelle. Et donc, dans les ibios, et nous, on va travailler à pouvoir emmener des petits tamarillos, les emmener sur Mars, et aussi de les faire cultiver à l'intérieur des stations. Alors, du coup, on voit plein. Voilà, j'allais te poser des questions. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on croise comme bestiole, passion bestiole? Alors, il faut que je vous dise que sur le compte Twitter d'Interstellar, qui est donc l'entreprise qu'a fondée Barbara et qui fabrique les ibios, et ben, très régulièrement, ils nous postent des petites vidéos de bestioles. Et donc, d'abord, c'est très mignon. Ensuite, ça permet de découvrir une faune complètement hallucinante dans les profondeurs des océans ou même sur Terre. Et donc, ça amène à poser la question, effectivement, qu'est-ce qu'on va croiser comme bébête dans les ibios? Alors, au début, dans les ibios, on va croiser quelques insectes, donc principalement des abeilles, des bourdons, comme ce que vous voyez. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait pousser des plantes et quand on fait pousser des fruits et légumes, on a besoin que les fleurs de ces plantes soient pollinisées. Et donc, en fait, qui fait la pollinisation dans la nature, tout seul? Ce sont les abeilles. C'est pour ça que les abeilles, c'est extrêmement important de les protéger sur Terre et qu'il ne faut pas les tuer, et les guêpes non plus. Et en fait, tout le monde pense que les guêpes, c'est des méchants insectes, mais en fait, pas du tout. Ils aident aussi à polliniser les fleurs. Et du coup, est-ce que la fleur, ensuite, une fois qu'elle a été pollinisée, elle se transforme en fruit? Et donc, du coup, dans les ibios, on va retrouver pas mal d'abeilles, des abeilles qui ne piquent pas aussi. Donc, ça, c'est une abeille qui n'a pas de dard. Donc, c'est une abeille encore plus gentille que toutes ses autres copines d'abeilles. On va retrouver des chenilles aussi. Et puis, qui vont se transformer derrière en très beaux papillons. Donc, au début, on aura surtout principalement des insectes. Et moi, ce que j'aimerais, mais ça va nous prendre un petit peu de temps, c'est qu'en fait, on arrive aussi à commencer à insérer d'autres animaux. Et typiquement, moi, j'aime tous les animaux, mais j'ai un gros coup de cœur pour les oiseaux parce que je trouve ça génial de les entendre chanter tous les matins. Et que pendant le confinement, c'était super parce qu'à Paris, il n'y avait pas un bruit et qu'on entendait tous les oiseaux chanter. Moi, mon rêve, ça serait qu'on puisse mettre un petit... Ça, cet oiseau, ça s'appelle un quetzal. Ils sont en voie de disparition aussi. C'est une espèce protégée. Ils vivent en Amérique du Sud. Et on les appelle un peu les dieux de l'air. Donc, ils ont un très joli chant. Et quand ils volent avec leur plumage vert et multicolore, c'est très, très, très majestueux, très, très beau. Et donc, j'espère qu'on pourra mettre à l'intérieur de notre petite station des oiseaux bientôt. Du coup, il y a Stéphanie qui demande, est-ce que vous allez amener des animaux sur Mars? Du coup, tu as ta réponse. Oui, on va amener des animaux, mais d'abord des insectes, c'est ce que disait Barbara. Exactement. On a, alors, Smart Station, mais je n'ai pas ton prénom, jeune homme ou jeune fille. Tu as la parole, tu as levé la main, je te donne la parole, mais je suppose que Smart Station n'est pas ton prénom. Ou alors peut-être que si, et du coup, c'est pas mal. Est-ce que tu es là?
Oui, non? Non. Bon, eh ben, écoute, reviens quand dès que tu as pu brancher ton micro. Juste pour la compréhension, il y a Alma qui nous demande c'est quoi des ibios. Eh ben, les ibios, c'est justement les dômes que fabrique Barbara. Donc, je ne sais pas si du coup tu es peut-être arrivée en cours de présentation, mais de toute façon, on va en reparler là dans les trois quarts d'heure qui viennent. Mais effectivement, ouais, Barbara, si tu veux remontrer donc, l'image. Juste l'image des ibios. Et donc, c'est les fameux dômes dans lesquels on pourra vivre sur d'autres planètes, mais aussi sur la Terre pour expérimenter un monde avec des ressources qui sont limitées. Exactement. Comme dans un vaisseau spatial. Voilà les ibios. Voilà. Et voilà sur Terre. Et ça, c'est un petit modèle en impression 3D. Donc ça, ça vous permet de voir un peu. Et donc à l'intérieur, j'aurais dû vous préparer ça. Et donc les ibios, en fait, et ça, je vous les montrerai à la prochaine conférence Kids. Mais en fait, cette structure en métal, on va mettre au-dessus de la structure une membrane qu'on va pouvoir gonfler. C'est un peu l'effet que vous voyez sur l'image là. Et quand cette membrane elle sera gonflée, ça va complètement sceller en fait le dôme. Et à l'intérieur, on aura de la végétation. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, ces dômes-là, on a un système de déploiement. Donc en fait, au début, ils vont être tout compactés à l'intérieur d'une structure qu'on pourra mettre dans une fusée dans le futur. Ils vont pouvoir se déployer tout seuls et s'autogonfler. C'est ça ce qu'on est en train de travailler et qu'on pourra bientôt vous montrer. Alors j'ai vu une question sur est-ce qu'on peut amener à la vie, est-ce qu'on peut amener les ibios sur Vénus. Alors Vénus, on a trouvé de la vie là récemment. Vous avez dû voir, il y a eu quelques annonces qui ont été faites. On a trouvé de la vie. Alors c'est Vénus, c'est une planète gazeuse, donc c'est fait très très chaud là-bas. C'est un petit peu compliqué pour nous d'y aller et d'installer, pour les humains, de supporter ces niveaux de température. Mars, c'est hyper intéressant parce que Mars, c'est hyper intéressant parce que parce qu'en fait, il y a des saisons. Déjà, les journées, elles durent un petit peu plus que 24 heures, mais donc du coup, ça ressemble beaucoup à la Terre. Il y a des saisons, il y a une croûte terrestre, mine de rien, il y a une petite atmosphère. L'air, il est plein de dioxyde de carbone. Mais c'est un air où si on met un humain dans une combinaison avec un système de protection contre les radiations solaires, ben on peut vivre. Sur Vénus, c'est beaucoup plus compliqué de vivre. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Vénus, si on y va, moi je pense que voilà, ça sera dans longtemps qu'on pourra y aller, en tout cas, et envoyer des humains là-bas. Mais ça viendra un jour. Mais aujourd'hui, on n'a pas les technologies qui nous permettent d'y aller. Question, vas-y. Ouais, il y a Maya qui nous demande, alors mais j'adore cette question, merci Maya, est-ce qu'on pourrait recouvrir la Terre entière d'un ibios géant? Et en fait Ouais, alors la Terre est un ibios géant. Exactement, la Terre est un ibios géant, et en fait ce qui protège la Terre aujourd'hui, donc moi je vous parlais de notre membrane que l'on crée qui va protéger la vie à l'intérieur des ibios, bah, la Terre elle a déjà sa membrane. Man, c'est son atmosphère et son champ magnétique. Donc la Terre est déjà quelque part protégée. Ensuite, après, aujourd'hui, il se passe des choses un peu sur Terre où effectivement, bah, parfois il y a des grands feux de forêt et puis il y a des choses qui sont réchauffées. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, on va pouvoir utiliser les ibios pour créer des dômes géants à un moment donné dans lesquels on pourra aussi protéger la vie dans des endroits où bah, la vie elle a du mal à rester, et on a du mal à conserver la biodiversité des espaces. Donc, on espère qu'on pourra et que ça permettra quelque part de protéger la vie qu'il y a aujourd'hui sur Terre. Okay. Merci, merci. Ben je te laisse poursuivre ou on a d'autres questions là qui arrivent? Non, pour le moment, on n'a pas de questions. Kezia, tu voulais reprendre la parole? Ton micro. Kezia? Oui. J'ai vu que tu as relevé la main. Tu voulais reprendre la parole? Oui, ça ne dérange pas. Non, pas du tout. On t'écoute. D'accord. C'était pour savoir, mais est-ce que ça existe déjà, les ibios? Mais oui, enfin, est-ce que ça existe? On est en train de préparer pour construire les premiers. D'accord. Donc, alors, attends, pas, on va dire que pour à Paris, dans la région parisienne, pour Noël prochain, un peu avant Noël, on va en construire un. Je pense qu'il ne sera pas très loin de Disneyland, parce qu'il y a beaucoup d'espace et beaucoup de terrain là-bas.
Et c'est pour ça que je disais que j'espère que l'année prochaine, on refera le lancement de la conférence KID à l'intérieur des Ibios. Donc, on est en train de tout préparer pour construire. On est en train de tester tous les matériaux. On reçoit la semaine prochaine au bureau, et on postera sur Facebook et Twitter. On va recevoir des échantillons de justement la membrane, de la membrane des dômes. Donc, on va pouvoir commencer à faire des tests et à voir un peu comment ça réagit à la chaleur, à l'eau. Alors, on sait déjà à peu près, mais là, on va faire les tests en grandeur nature. Et tout ça pour se préparer à faire la construction bientôt. Vous serez D'accord. tous au courant et vous pourrez tous venir voir. Ça sera ouvert au grand public. Super, D'accord. merci. Alors, merci, Kézia. Sophie, ça y est, tu as réussi à brancher ton micro ? Oui, est-ce que quelqu'un m'entend ? Ouais, on t'entend. Coucou, quel âge tu as ? Mais j'ai pas compris. On va envoyer. Mais du coup, ils sont autogonflables ou les membranes sont gonflables à l'intérieur parce qu'il y a deux couches ou c'est en dessous qu'on va les gonfler pour faire une pression pour qu'ils restent en hauteur ? Super question. Alors en fait, attends, faudrait que je te montre. J'arrive. Alors, pendant que Barbara fait ça, je réponds à la question. Combien de personnes on peut loger dans un Ibios ? 5 personnes dans une des petites capsules qu'elle va vous montrer. Comme ça, ça, c'est répondu. Voilà, super. Effectivement, c'est 5 personnes. Et après, les petites capsules, on peut toutes les attacher les unes avec les autres. Donc, ça veut dire qu'on peut créer un village. En fait, mais je n'ai pas tout mon matériel, là. Donc, je le ferai la prochaine fois. J'aurai plus de matos. Alors, en gros, mais c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est pour vous montrer avec une structure. Donc, j'ai pris ma planche à découper le saucisson pour vous aider à visualiser. Un atelier, je pense qu'il faut prévoir un atelier construction d'Ibios, Barbara. Ouais, je pense. Ok. Bon, on le fera au bureau la prochaine fois avec les membranes et tous les systèmes de déploiement. Parfait. Donc, en fait, comment dire, mais c'est pas très malin ce que je voulais vous montrer là. En fait, je vais montrer comme ça. En gros, le dôme, au départ, il est tout plié et il est compacté dans une base. Donc, on a une base qui ressemble un peu, c'est comme si c'était une pièce, une grande pièce de métal, comme vous savez, comme un euro, comme 2 euros. Donc, ça ressemble un peu à ça, mais en beaucoup plus grand, donc avec une épaisseur. Et à l'intérieur de la pièce métallique, donc de ce cercle métallique, il y a tout le dôme qui est dégonflé et toute la structure métallique qui est aplatie. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que on appuiera, on va pas vraiment appuyer sur le gros bouton bleu pour déployer, mais c'est un petit peu ça quand même. Mais en fait, on va lancer le déploiement du dôme. Et donc, en fait, la structure métallique s'ouvre et ce qui se déploie, c'est toute la structure en métal du dôme et au-dessus la membrane. Donc, en fait, tout commence à se monter un petit peu comme ça, comme un robot qui s'ouvre en fait et qui se déploie. Et ensuite, on vient gonfler les coussins de la membrane et qui deviennent en fait, du coup, la membrane se solidifie et devient très dure parce qu'on a gonflé les coussins. Et donc, en fait, on met le système de gonflement des coussins, c'est l'air qui rentre à l'intérieur de la membrane. Et donc, en fait, quand ça se lève pas parce qu'on propulse de l'air à l'intérieur, mais ça se lève parce qu'on a mis un bras robotisé qui va aider à l'Ibios de se construire. La question, elle est très intéressante par rapport à la pression. En fait, sur Mars, on aura probablement pas besoin d'avoir ce système de bras robotisé, ça sera juste une distance, parce qu'en fait, comme il y a une différence de gravité et de pression et de conditions atmosphériques sur Mars, juste avec, et c'est ce qu'on est en train de tester, c'est ce qu'on va tester parce que c'est un petit peu loin aujourd'hui pour savoir, mais juste en soufflant et en gonflant en fait l'Ibios, on pense qu'on sera capable de le déployer plutôt que d'avoir un bras métallique qui va l'aider à se lever. Donc, c'est un peu un jeu des deux. C'est un jeu du bras métallique et c'est un jeu avec le souffle à l'intérieur de l'Ibios. Et ensuite, on le gonfle, la membrane, un peu comme un sac à glaçons, vous voyez, dans lequel vous mettez de l'eau. Bah, là, on a notre sac à glaçons qui est posé au-dessus du dôme et on le gonfle avec de l'air. Ça, c'est la question. Bah, super, merci, Barbara. On nous pose la question, est-ce qu'il y a une atmosphère sur Mars ? Oui, alors… Il y a une atmosphère sur Mars. Alors Mars, enfin oui bien sûr, pardon, mais il y a pas de champ magnétique. Donc en fait l'atmosphère martienne, elle est composée principalement de dioxyde de carbone, de nitrogène. On a un petit peu de, grande majorité du dioxyde de carbone. Alors en fait juste pour faire la comparaison encore avec les deux planètes, sur Terre,
L'air, notre atmosphère est composée à 70% de nitrogène, d'azote. En fait, on n'en parle jamais, on parle que de l'oxygène et on parle que du CO2, du dioxyde de carbone. Et on ne parle jamais de l'azote, du nitrogène qui est un peu laissé pour compte, alors que c'est 70% de notre atmosphère. Et en fait, le reste, c'est grosso modo 28% d'oxygène. Et il y a plein de différents gaz, et en très petit pourcentage, donc à 0,02%, on a du dioxyde de carbone. Sur Mars, c'est tout l'inverse, on a plus de 70% de dioxyde de carbone. Donc c'est vraiment une atmosphère qui est complètement différente de celle qu'on a et qui n'est pas respirable aujourd'hui pour l'homme. Voilà, pour répondre à la question sur l'atmosphère. Ça marche. Alors Barbara, si tu as fini la présentation, en tout cas les visuels, arrête le partage d'écran, comme ça c'est toi qu'on voit. Ah super, ok. Je donne la parole à Vanessa qui a levé la main, et après moi aussi j'aurai des questions à te poser. Vanessa, tu as la parole si tu... Ouais. Salut Vanessa. Salut, c'est Maya qui va poser la question en fait. Ah pardon, j'entends pas. Je disais c'est Maya qui va poser la question, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Salut Maya, tu nous rappelles ton âge? 8 ans. Bonjour Maya. Salut Maya, on t'écoute. Ça coûte combien les hélios? Ah, ça coûte combien? Tu veux en acheter un déjà? En gros, un hélios pour 5 personnes, donc c'est 4 dômes tous ensemble avec 4 ou 5 dômes, et pour 5 personnes, donc une famille, ça coûte aujourd'hui entre 3 et 5 millions. Ça dépend, donc c'est un peu le prix d'une belle maison. Nous, on aimerait bien réduire le prix et que du coup, ça soit beaucoup plus accessible à tous. Donc, mais pour ça, on a besoin d'en construire plein, d'améliorer les techniques de construction. Mais grosso modo, à construire et à mettre en place pour une famille de 5 personnes, c'est entre 3 et 5 millions, ça dépend ce qu'on met à l'intérieur. Non, j'adore la question de Natalia. Est-ce que la construction d'un hélios pollue beaucoup? Non, pas du tout. Alors déjà, donc les matériaux qu'on utilise pour construire, c'est des matériaux qui sont extrêmement durables, qui sont recyclables, qui n'abîment pas l'environnement. Et donc ça, on fait extrêmement attention à ce qu'on fait. Ensuite, il y a autre chose, c'est que comme les matériaux qu'on utilise protègent, empêchent en fait le dioxyde de carbone de sortir à l'intérieur, et les matériaux ont des fortes propriétés d'isolation thermique. Donc, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, quand vous me demandiez la planète Terre, comment ça se fait qu'il ne fait pas hyper chaud sur la Terre et qu'on n'est pas tous en train de brûler alors qu'en fait, on a un noyau de feu qui est sous nos pieds, et que tout ça, il y a une couche de protection. En fait, sur les hélios, la membrane qu'on a au-dessus et le matériau qu'on utilise, il nous permet de garder la chaleur et de nous protéger contre ce qui se passe au-dessus. Et donc, en fait, ça permet de ne pas avoir des émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui est aujourd'hui une des problématiques qu'on a sur Terre. Voilà. Alors, qui voulait... Alors, moi, j'ai une question aussi. Et après, je vous repasse la parole, les enfants. Il n'y a pas de main levée pour le moment. Tu dis, en fait, sous les... En fait, j'ai un problème de micro, je suis là. En fait, dans un hélios, on peut mettre un peu ce qu'on veut finalement. Ouais. Est-ce que ça veut dire que vous allez créer des hélios, par exemple, avec des climats différents, des climats tropicaux, des climats modérés? Oui. Oui, c'est une très bonne question, et on va créer et c'est ce qu'on fait déjà pour le premier et celui que vous verrez à Paris bientôt. Alors, en fait, on a une serre dans laquelle on recrée un climat tropical. On a un autre genre de serre un petit peu plus technologique dans laquelle on crée un climat qui est plutôt tempéré, où il va faire un petit peu plus froid. Donc, on recrée vraiment les conditions climatiques à l'intérieur, les conditions d'humidité, les conditions de luminosité, toutes ces choses-là. Et on a un autre dôme dans lequel on fait aussi pousser des plantes, sur lequel on crée un climat qui est plutôt, on va dire, méditerranéen. Donc, dans cette serre, on va plutôt faire pousser tout ce qui va être tomates, aubergines, pommes de terre, qui font partie de tamario, qui font partie de la même famille qu'on appelle les solanaceum. Et donc, on recrée effectivement des climats différents à l'intérieur des stations, enfin de chacun des dômes. Aussi parce qu'en fait, comme nous, on a pour objectif de permettre à tout le monde de manger, c'est-à-dire quand tu vis dans la station, tu n'as pas besoin d'aller faire les courses ailleurs au supermarché, tu manges que ce qui pousse à l'intérieur des dômes. On s'est dit, ça serait quand même sympa si on pouvait manger des mangues et des bananes. Et donc, du coup, on recrée ces climats subtropicaux.
pour avoir une grosse diversité de fruits et légumes et que en fait on puisse aller les cueillir au fin fond du dôme et qu'on n'ait plus besoin de les faire passer dans un avion pour que ça arrive sur nos tables le matin. Ça marche. Alors Noé, je te donne la parole. Noé a levé la main. Ça y est, tu as branché ton micro. On t'écoute, Noé. Salut. Salut. Quel âge tu as déjà? Toi, tu es un habitué, mais je ne me rappelle plus ton âge. 11 ans. 11 ans. On t'écoute, Noé. C'était pour savoir si on peut aller sur Mars dans une quinzaine d'années. Ça veut dire que tout le monde aura accès à Mars ou alors que certaines personnes. Alors, en fait, on aura les moyens techniques pour aller sur Mars dans une quinzaine d'années. Le voyage, il dure 7 mois. Donc, on est pendant 7 mois dans la fusée à traverser le système solaire pour aller sur Mars. Et une fois qu'on arrive sur Mars, soit on reste 2 mois et on repart. Parce qu'en fait, il faut quand même que, comme les deux planètes, elles tournent. Je fais une petite, je vais répondre à ta question, mais j'explique un peu ça. Comme les deux planètes, elles tournent déjà sur elles-mêmes. Et ensuite, elles tournent autour du Soleil, et après, elles avancent dans la galaxie, bref, elles tournent pas à égale distance tout le temps. Donc, il y a des moments où la Terre et Mars sont très éloignées, et d'autres moments où elles se rapprochent. Donc, en fait, quand on prévoit un voyage sur Mars, il faut compter 7 mois à l'aller. Et ensuite, soit on reste un mois et on repart tout de suite, parce que la Terre et Mars sont proches, soit il faut rester grosso modo une année de plus, enfin une année entière, et attendre que la Terre et Mars se retrouvent assez proches pour pouvoir repartir. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit un voyage, c'est 7 mois, 1 mois et re-7 mois dans l'autre sens. Donc ça fait au total 14-15 mois de voyage. Donc c'est quasi un peu plus d'une année. Soit c'est 2 ans et demi, parce que du coup, il faut rester pour pouvoir repartir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, faut avoir envie d'aller s'enfermer dans un vaisseau spatial pendant 7 mois, puis sur une station. Donc ça, tout le monde n'a pas envie d'y aller. Est-ce que tout le monde peut y aller? Au début, les voyages vont quand même coûter assez cher. Donc, il va d'abord falloir envoyer des scientifiques, des ingénieurs et des robots pour pouvoir construire et tout mettre en place. Ensuite, après, petit à petit, une fois qu'on aura validé la fusée, une fois qu'on aura validé tous les systèmes de support, ce qu'on appelle les systèmes de support de vie, donc c'est nous ce qu'on construit, une fois que ça sera prouvé et que ça fonctionne, à ce moment-là, il y aura la possibilité d'organiser de plus en plus de voyages pour accueillir plus d'êtres humains sur la planète. Et ça va mettre un petit peu de temps. SpaceX, la société qui construit les fusées, et la NASA, ils ont dans cette vision du futur l'idée de se dire qu'en fait, l'espace sera accessible à tous et que tout le monde, tous ceux qui le souhaitent, pourront partir. Donc, je pense que ça répond un peu à ta question. Par contre, ensuite, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est la Lune. Donc, la Lune, on y retourne. Donc, les fusées sont en train d'être construites pour qu'on retourne sur la Lune. Donc, l'être humain est déjà allé sur la Lune il y a 51 ans. Et là, on est en train de la NASA, plein de sociétés en France, en Chine, au Japon, aux États-Unis, dans les pays du Moyen-Orient, sont en train de construire des fusées. Les fusées qui vont nous permettre de retourner sur la Lune. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 4 ans, on va tous être devant notre poste de télévision et on va pouvoir enfin revoir les humains qui marchent sur la Lune à nouveau. Et donc ça, et ce qui va se passer avant qu'on puisse préparer les voyages sur Mars, c'est qu'en fait, il y aura des voyages sur la Lune qui seront beaucoup plus organisés. Et moi, je pense que d'ici une dizaine d'années, 10-15 ans, ça sera devenu quelque chose un petit peu... Comme nos ancêtres, c'était quelque chose de venir aux États-Unis ou c'était quelque chose de prendre le bateau et de voyager et de partir en exploration, la Lune, ça serait quelque part une nouvelle terre d'exploration. D'ailleurs, c'est très joli parce qu'au final, tu t'inscris à la fois dans la grande tradition des hommes. Quand on a fait la répétition, on a un ami, Thierry, qui nous a fait cette remarque et donc je la partage aujourd'hui avec vous, les enfants, avec tout le monde. Tu t'inscris à la fois dans la grande tradition d'exploration de l'humanité et avec et d'un autre côté avec des éléments technologiques et puis une innovation incroyable. Et il y a comme une forme d'hommage à tous les gens qui t'ont précédé, qui sont allés explorer de nouveaux continents, etc. Et toi, tu arrives et tu le fais avec les nouvelles technologies et carrément sur d'autres planètes, quoi. Comment tu le vis, toi, ça? Ça te fait quoi, en fait, de te sentir l'héritière et puis en même temps de transmettre aux nouvelles générations toute cette exploration? Moi, comment dire, en fait ça me motive, ça me donne le fait de penser au futur et de me dire, et d'être positive sur le futur, de me dire qu'on va contribuer
à aider à préserver le monde, qu'on va contribuer à aller encore plus loin dans l'exploration, parce que c'est beau d'explorer, faut pas le voir de manière négative, d'aller sur d'autres planètes, ça fait partie du, quelque part pour moi, ça fait partie du cycle de la vie. L'homme fait partie de la nature, on fait partie du cycle de la vie. La vie, elle cherche à se répandre. Et si l'homme veut aller sur Mars, c'est peut-être aussi parce qu'il porte quelque chose. Et moi, tous les matins, ça me donne une énergie et une peps incroyable, en fait. Je pourrais pas vivre si autrement. Je me lève tous les matins en me disant c'est génial, on y va, on va construire le futur. Ça répond à ta question, CLB. J'ai pas ton prénom, mais CLB, vouloir aller vivre sur Mars. Signifie-t-il que la Terre ne peut plus nous accueillir? Non, pas nécessairement. Ça veut juste dire que c'est dans l'ADN de l'être humain d'aller plus loin que là où il se trouve. Voilà. Je suppose que tu travailles en fait avec plein de pays différents et, oui. plein de gens différents. Aujourd'hui, tu es entourée de qui? De quel pays? De quelles compétences? De quelles personnes? Qui travaille avec toi? Alors, aujourd'hui, l'équipe, donc la société, ça fait... Moi, ça fait 3 ans que je travaille sur le projet. Ça fait 2 ans que la société existe. Ça fait 1 an qu'on a une équipe qui est mise en place et qui travaille sur la construction des Ibios. Pour faire toutes ces choses-là, on a besoin, donc on est entouré, enfin, dans l'équipe, on a des architectes, des ingénieurs, des biologistes, des gens qui codent parce que il faut que tout soit automatisé, etc. Des gens qui travaillent sur toute la partie ingénierie mécanique et déploiement des systèmes. Donc c'est extrêmement extrêmement varié. On a aussi des designers, des illustrateurs, parce qu'il faut pouvoir se projeter et visualiser. Donc on a besoin de faire des dessins et des images et de travailler sur des plans. Donc ça, c'est pour nous à l'intérieur de l'équipe et de la structure. Ensuite, à côté, on travaille avec, la NASA. On adore la NASA. Moi, je vraiment, c'est des gens extraordinaires. Tout le monde adore la NASA. Ben oui. Mais c'est vraiment des gens extraordinaires où c'est un peu un rêve d'enfant de faire tout ça. Petite, moi, je faisais mes petits croquis, j'imaginais des stations. Je pense comme beaucoup d'entre vous sur la conférence aujourd'hui. Et à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, allez, c'est parti, je vais essayer de construire tout ça, alors que j'y connaissais rien. Je ne suis pas astronaute, je ne suis pas architecte, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas biologiste. Et du coup, la NASA, extraordinaire, puisque j'ai passé 1 an avec eux, et ils m'ont accueilli, ils m'ont présenté des astronautes, des ingénieurs, des physiciens, des scientifiques, pour comprendre comment tout ça marchait. Donc, c'est vraiment... C'est des gens très très bien et qui sont très ouverts aussi, donc faut pas hésiter, hein, même les enfants à les contacter un moment dans votre vie, parce que si ça vous intéresse, ils sont toujours très ouverts et répondent aux questions. Donc la NASA, des astronautes, vraiment des gens de plein de mondes différents, puis aussi des philosophes, des artistes, parce que réfléchir à comment est-ce qu'on vivra sur une autre planète, c'est aussi se dire comment est-ce qu'on va gouverner? Est-ce qu'on va garder les systèmes de gouvernance qu'on a aujourd'hui en place? Est-ce qu'on aura un leader et puis une société qui s'organise autour? Est-ce qu'on sera dans une vision d'une société beaucoup plus distribuée, beaucoup plus collaborative? Donc, du coup, ça interroge aussi sur toutes ces problématiques-là. Et puis, l'art et la musique, parce que c'est fondamental pour nous tous aujourd'hui. Donc, les artistes et les musiciens réfléchissent à ça sera quoi la musique qu'on va entendre à l'intérieur des Ibios, dans la salle de repos, comment est-ce qu'on va créer de l'art et comment est-ce qu'on fera des sculptures, des peintures, etc. Quel est un peu ce monde nouveau qu'on veut créer? Donc vraiment, vraiment tout le monde. Alors je vais rebondir là-dessus. Constance, je te donne la parole dans un instant, ne t'inquiète pas, je t'ai bien vu. Puisqu'en fait, il faut pas nécessairement avoir travaillé dans l'aérospatiale ou être ingénieur pour réfléchir à ce qui peut se passer dans ces Ibios. Les enfants, là, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il s'y passe? Imaginez un Ibios pour le plaisir et un Ibios qui pourrait être super utile, dont vous pensez qu'il faut absolument qu'il y ait quelque chose là-bas. Vous ne voulez pas partager avec nous un petit peu ce à quoi vous pensez? Et Constance, en attendant, je te donne la parole. Boum! Et puis, tu vas peut-être être notre première réponse. Coucou, Constance. Coucou, merci de m'avoir donné la parole. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Avec plaisir. Quel âge tu as? J'ai 13 ans. Ok. Ce qui est comme activité sur Ibios, je sais pas, on pourrait faire des escape games ou des trucs en rapport avec l'espace, je sais pas, sortir de l'Ibios pour aller voir ce qu'il y a après, je sais pas. Et ma question c'était combien d'Ibios vous comptez faire dans le monde, en France, tout ça, avant d'aller sur Mars?
Alors après, je vais répondre à ta question et puis après, et après parce que je t'ai reconnue. J'ai reconnu ta voix, on se connaît avec Constance. Et je vais dire parce que j'ai vu quelques questions et ça va me permettre de répondre à certaines questions qui ont été posées. Ta question, c'était combien d'Ibios en France et dans le monde? Alors on a prévu, nous ce qu'on veut faire, c'est construire 10 stations. Qu'on va du coup pouvoir 10 stations qui vont pouvoir accueillir jusqu'à à peu près 150-200 personnes par station et partout dans le monde. Donc là aujourd'hui on regarde pour construire 2 aux États-Unis, 1 en Californie, 1 en Floride et on verra peut-être une au Texas aussi parce qu'au Texas c'est là où il y a la grosse fusée qui veut partir, qui doit partir sur Mars, c'est là où elle est construite. Donc ça serait pas mal si on pouvait un peu mettre nos habitats à côté pour voir si ça va rentrer dans la fusée. En France. Et là, on parle beaucoup. Alors, du coup, ça répond aussi à la question de Déborah, avec qui on travaille dans le monde. On regarde beaucoup le Japon. Alors, le Japon, c'est un pays qu'on adore. Mais on va en mettre une au Japon. Et on va en mettre une aussi dans le désert. Dans le désert au Moyen-Orient, donc on est en train de regarder les différents sites et certains sites qui sont des sites archéologiques où on aimerait pouvoir déployer la station. Donc, 10 stations sur notre planète avant de pouvoir aller en déployer une en test sur la Lune. Et ensuite, d'ici 15-20 ans sur Mars, mais sur Mars, ça sera petit à petit. Hein. Ça sera d'abord un dôme et puis un autre, etc. Et ensuite, Constance, c'est moi qui vais te poser des questions. Alors, Constance, elle est venue en stage chez nous. C'est ça, Constance? Oui, c'est ça. Et du coup, tu avais travaillé sur, les expériences qu'on pouvait venir faire à l'intérieur des Ibios. Exactement. Exactement. Et donc, du coup, ça me permet juste de dire une chose parce que j'ai vu 3-4 questions passer comme ça. Nous, on adore prendre des stagiaires de 3e. Donc, on a une demande. Je vous ai tous noté. Hein. Voilà. Ouais. Donc, ah oui. il faut m'envoyer un email. Donc, on vous donnera l'email. Il faut contacter sur, je pense, sur les ConfKids, sur le Facebook, et dites-nous. Et puis, et nous, on adore prendre des jeunes stagiaires chez nous. Et c'est ce qu'a fait Constance. Donc, j'espère, Constance, tu étais contente de ton expérience et que tu voudras revenir. J'étais super contente et j'espère revenir cette année. Trop cool. Magnifique, super. Ben, enchantée, Constance. Alors, du coup, je reboucle avec d'autres questions. Donc, alors, il y a quelqu'un qui nous a répondu qu'il faudrait une piscine déjà dans un Ibios. Ouais, on y a pensé. Pour l'instant, on n'est pas prêt, mais c'est une bonne idée. D'accord. Alors, on nous pose 2 questions. Est-ce qu'il y aura de la viande dans les Ibios et comment on va fabriquer l'eau? Alors, j'ai pris la liberté de répondre pour la viande que c'était très polluant et puis que ça coûtait très cher en fait de produire de la viande. Mais je te laisse compléter. Alors, dans les Ibios, pour l'instant, c'est végétarien. Donc on mange que des fruits et légumes. Et nous, on travaille sur tous les menus, etc. pour que on mange bien et que ça puisse remplir toutes les conditions nutritives et notamment les protéines parce que la viande c'est des protéines et en fait il y a des protéines dans plein de plantes et dans plein de champignons aussi, c'est très bon les champignons. Donc au début, végétarien. Ensuite, de la viande, oui, pas vraiment de la viande comme on connaît, c'est-à-dire que nous on n'envisage pas d'avoir des vaches, des chèvres, des cochons et effectivement je rejoins Déborah, c'est que produire de la viande à grande échelle comme c'est fait aujourd'hui, ça pollue énormément, c'est très consommateur d'eau, c'est très consommateur de céréales aussi. Et en fait, on en produit beaucoup trop sur Terre aujourd'hui pour déjà ce qu'on est capable d'en manger. Donc voilà, je ne veux pas être la moralisatrice, mais je dirais si on mangeait un petit peu moins de viande, ça fera du bien pour la planète et vous, ça ne vous fera pas du mal, du mal au corps. Et donc, la viande au départ, on va faire un peu des insectes. Donc, pas tout de suite, mais dans pas très longtemps. Bien. On aura des petits insectes à l'intérieur des stations et on mangera des insectes. Donc voilà, on fera des dégustations avant, que vous n'ayez pas peur. Mais c'est un peu comme ça qu'on le voit. Et ensuite aussi, parce que les technologies aujourd'hui avancent très, très vite, en fait, on peut faire de la viande au niveau des laboratoires. C'est-à-dire que aujourd'hui, on arrive à reconstituer de la viande sans avoir besoin de tuer les animaux.
Et donc, du coup, mais les technologies ne sont pas encore complètement au point, mais c'est des choses que nous, on regarde parce qu'effectivement, c'est possible de faire des genres de steaks un peu végétales en n'utilisant que des plantes. Donc, ça, ça existe déjà et on sait le faire. Et maintenant, il y a certaines sociétés qui sont en train de travailler pour développer directement des steaks grandissent directement en laboratoire. Ça fait très science-fiction, mais je vous jure qu'il y a des gens qui bossent là-dessus. Ah oui, il y a Thomas qui nous dit ces ibios vont nous faire réfléchir sur notre grande ibios planète Terre géniale. Bah oui, c'est largement le but aussi. Oui, oui. Alors, Olive, est-ce que tu peux nous partager déjà ton dessin à ce stade où il est 11h30? Il nous reste encore un bon quart d'heure. Il y a des questions qui se posent sur l'aspect touristique de ces planètes. Il y a des questions qui se posent sur le type de planète vers lesquelles on pourrait aller. Il y a des questions qui se posent. Alors, quelles sont les premières personnes qui vont rentrer dans les ibios? Bon, voilà, on a plein de questions. Mais Olive, peux nous partager déjà le dessin? Génial. Hey. Oh. Donc, vaisseau spatial Terre, bah oui, ça résume tout ce que Barbara nous partage depuis tout à l'heure. Hein. On vit sur un ibios géant qui nous a été gracieusement offert par l'univers. Et du coup, il faut qu'on en prenne soin. Barbara, tu veux commenter un peu le dessin d'Olivier? Ah ouais, avec grand, grand plaisir. Super dessin, Olivier, j'adore. Vaisseau spatial Terre, effectivement, on se pose la question un peu du vaisseau spatial Terre. Et quand on regarde aujourd'hui, alors attends, on va aller sur le champ magnétique protecteur, exactement, notre planète qui est comme un ibios géant. Et à son champ magnétique protecteur, de lequel l'oxygène qui est généré, bah en fait, c'est généré par l'eau principalement et aussi par les arbres. Et bah Mars, à côté, elle a perdu toute son eau parce qu'elle n'a plus du tout son bouclier protecteur comme à la Terre. Et donc, nous, on se pose la question, et ça, j'ai l'impression que c'est moi avec le petit collier Interstellar Lab, et si la Terre s'asséchait comme Mars ? On n'a pas du tout envie qu'elle s'assèche comme Mars, mais c'est vrai qu'on se pose cette question-là. Et donc, on va essayer de développer des villages et des systèmes qu'on pourra installer sur la Terre. Et sur Mars, c'est exactement ça. On va y amener la vie et protéger la vie. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on construit ces petits ibios qui sont très bien dessinés, ces jolis petits dômes sur fond bleu et à l'intérieur où on a du vert, qui sont des petites biosphères dans lesquelles on va traiter l'eau, faire pousser les végétaux, recycler, tout en autonomie, préservation de nos ressources, et peut-être un jour, on pourra y amener des insectes et des animaux. C'est pliable, on a 5 personnes par bulle, et ça permet de faire avancer la recherche en collaboration avec la NASA, et notre but, c'est d'en installer plein à travers le monde. C'est superbe, tout est résumé, c'est un rêve de petite fille, et oui. Alors, mais justement, Barbara, on va rebondir là-dessus. Quel genre de petite fille on est pour devenir Barbara adulte qui crée des ibios et qui mène ce projet incroyable? Quel genre de petite fille t'étais? Alors, moi, je vais répéter ce que m'ont dit mes parents, ou alors ce que je me rappelle de moi étant enfant. Mais je pense comme beaucoup d'enfants, et à mon avis, comme tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, très curieuse. Très curieuse du monde, très. Alors moi, on en rigole, on en a parlé plusieurs fois avec Déborah, mais c'est vrai que petite, dans ma chambre, je m'étais recréé un laboratoire. Donc j'avais mon laboratoire de chimie où je faisais mes expériences de chimie. Et donc là, je mettais ma blouse blanche, mes grosses lunettes, et je m'imaginais faire des expériences et déclencher des choses. Une fois que j'avais fini avec mes expériences, je passais en mode ingénieur, et donc du coup là, je me rêvais en étant mécano bricolo, et donc je construisais mes petits circuits et montais toutes mes petites choses, tout ça dans mon même bureau. Et derrière, j'avais tous mes grands livres sur la vie, sur les plantes, et donc j'étudiais les plantes. À l'époque, j'avais mon grand dictionnaire des animaux et des plantes, et je les connaissais vraiment très très bien. Là, j'ai beaucoup oublié, il va falloir que je m'y replonge un peu. Et du coup, j'étais vraiment fascinée par ça. J'avais une table d'architecte, vous voyez, les grandes planches d'architecte avec des systèmes de règles, etc. Et donc, je m'imaginais construire des mondes du futur dans lequel, à quoi ressembleraient ces mondes, qu'est-ce qu'on mettrait à l'intérieur. Et ça, j'ai fait ça toute petite pendant très, très longtemps. Il y a même un jour où mes parents, ils ont eu la grande surprise de rentrer dans ma chambre et puis de découvrir que j'avais peint sur tous mes murs des grandes plantes partout, comme si je vivais déjà à l'intérieur de ma station. Et ça, c'est resté. C'est resté ce rêve d'enfant, ce rêve de petite fille. Et puis après, bon, bah, la vie a fait que j'ai fait des études, appris plein de choses, etc. Et puis un jour où je me suis dit, non mais bon, en fait, tout ça, à quoi ça rime?
C'est bien de gagner sa vie, de contribuer à la société, etc. Mais à un moment donné, moi, je me suis dit, ouais, bon, c'est sympa, j'en ai un peu fait le tour. Moi, en fait, en vrai, ce que je veux faire, c'est ça. Et puis aujourd'hui, la planète, elle en a besoin. Et puis dans pas très longtemps, on va aller sur Mars. Et bientôt, on va retourner sur la Lune. Allez, je vais essayer de me donner les moyens de mes rêves. Donc, on y va, on se lance dans le grand bain. C'est toujours ce que j'ai envie de faire depuis que je suis petite. Bah, allez, go, et puis on va bien voir s'il y a des gens qui me suivent, qui m'aiment me suivre. Et là, il y a pas mal de monde. Donc voilà, il faut continuer à croire à ses rêves d'enfant et c'est surtout s'en donner les moyens. Donc, on y croit, on se donne les moyens, on se lance dans le bain et on pousse jusqu'au bout. Et puis, il faut essayer. Rien n'est impossible, en fait. Très bien. Dites, les enfants, sur quelle planète vous aimeriez que Barbara pose ses ibios ? Donc, évidemment, on a parlé de Mars, de la Lune et de la Terre. Est-ce qu'il y a une planète où vous rêvez d'aller ? On passe commande. C'est le moment. En plus, c'est pas cher, c'est 5 millions. est-ce que vous avez une idée de planète où vous aimeriez aller ? Moi, je sais que j'ai toujours rêvé d'aller sur Jupiter parce qu'il paraît qu'il y pleut des diamants. Ah, Vanessa aussi. Non, Maya aussi, elle va aller sur Jupiter. Casimir, il va aller sur Saturne. Ok. D'ailleurs, ça peut être d'autres planètes que celles du système solaire. Hein. Si vous en connaissez, n'hésitez pas. Jupiter, Mars. Ouais, Mars, bah, évidemment, ça fait rêver. C'est drôle d'ailleurs, on a toujours imaginé des petits bonhommes verts sur Mars, alors qu'en réalité, il n'y a pas de raison particulière pour qu'il y ait des bonhommes verts. Non, non. Non, il n'y a pas. Ouais, c'est vrai que dans l'imaginaire, on a toujours vu des petits bonhommes verts un peu mélangés avec des lézards qui vivraient sur une planète toute rouge. Mais dans les faits, non, il n'y a pas de lézard géant. Bon, très bien. Toi, Barbara, si tu devais aller sur une autre planète, ah, Vega, il y a quelqu'un qui nous répond Vega, ça marche. Toi, Barbara, si tu allais sur une autre planète que Mars ou la Lune, tu partirais où ? Est-ce qu'il y a une planète qui te fait rêver, qui te fascine ? Moi, j'adore la Terre. Moi, j'adore la Terre. J'adore la Terre. Ben. Ah oui, j'adore la Terre. C'est extraordinaire. Il y a tellement de vie, tellement de diversité. Enfin, c'est une planète de dingue. Et il n'y en a pas beaucoup comme ça, on a du mal à en trouver. Alors, on en a trouvé d'autres, donc peut-être, moi de toute façon, ce que je rêve de faire et ce à quoi je vais contribuer, c'est de pouvoir aller sur Mars et surtout de protéger la Terre. Donc moi, ce que je veux vraiment, c'est qu'on arrive à faire en sorte que l'être humain, il apprenne à vivre correctement sur la planète, parce que la planète va bien aller, hein. C'est plus l'être humain qui a du mal un peu aujourd'hui. Ou qui a toujours eu du mal. Et sinon, si je devais aller sur une autre planète, peut-être que j'irais faire un tour sur une autre, ce qu'on appelle une autre exoplanète. Donc, c'est une planète qui ressemble à la planète Terre, où on a de l'eau, où on a l'impression qu'on a de la végétation, etc., et de la vie, pour aller voir un peu, qui sait, ça se trouve, c'est des planètes miroirs. Et donc, je te retrouverai, Déborah, sur cette autre planète d'une autre dimension. Mais je serais curieuse d'aller voir ce qui se passe sur les autres exoplanètes, ouais. Alors, il y a CLB qui nous dit, est-ce que notre chat pourra vivre dans les ibios ? Belle question. Alors ça, c'est presque une blague qu'on a avec l'équipe. C'est pas vraiment une blague, mais un de mes ingénieurs qui m'a dit, ouais, non, mais quand même, ça serait sympa si on pouvait venir avec nos chiens, nos chats, etc. Et moi, au début, je dis, non, mais là, ça devient trop compliqué. Là, déjà, les plantes, faut gérer les plantes, les humains, les insectes. Alors, au début, non, on pourra pas venir avec ces chats parce que, comme je vous expliquais, tout est en conditions fermées. Donc, en fait, il faut qu'on puisse un peu savoir tout ce qui se passe. Le chat, il va aller gratter sur les dômes, il va aller faire pipi caca partout. On ne sait pas les réactions que ça peut déclencher. Donc, en début, non. Mais ce qu'on va avoir besoin de les créer pour pouvoir ensuite faire des expériences. Mais alors, c'est des expériences gentilles. Hein. On ne va pas les torturer. Les animaux. Mais garde ton chat. Vanessa, garde ton chat. Ça y est, c'est déjà fait. Mais on pourrait les faire rentrer petit à petit dans les stations. Mais au début, non. Et ensuite, on fera des expériences pour voir comment ça se passe sur l'écosystème, comment ça réagit. D'accord. Alors, il n'y aura plus de jus de pomme, Casimir. Peut-être que si, pourquoi pas. Si on amène des fruits, on fera du jus avec les fruits. Ah oui, oui, carrément. Alors, on n'a pas prévu des pommes dans les premiers, parce que les pommiers, on n'a pas prévu des pommes. Par contre, il y a à peu près une vingtaine de fruits. On fera du jus de grenade, on pourra faire des smoothies à la fraise. Non, il y a plein de fruits, il y aura plein de jus, t'inquiète. Alors, on va terminer avec les deux questions, parce qu'en fait, elles sont en miroir, justement. On nous demande, est-ce qu'il peut y avoir un Ibios à la Cité de l'Espace à Toulouse ? Est-ce que c'est possible ? Et de l'autre côté, il y a Vanessa qui nous demande, est-ce qu'il y a des endroits où on ne peut pas en construire des Ibios ?
Alors, Toulouse, bah oui, pourquoi pas. Why not? Il y a il y a la Cité de l'Espace exactement, donc il y a beaucoup d'acteurs de l'aérospatial. Aujourd'hui, on se concentre un petit peu plus sur Paris, mais on verra si on pourra en installer un à Toulouse. Et ensuite, la question, c'est est-ce qu'on peut en mettre partout? Oui. Le seul, alors avec le même matériau, aujourd'hui, on travaille plus sur des conditions extrêmes, donc quand il va faire très très chaud. Par contre, on n'a pas encore fini de faire tous les tests pour les conditions, enfin, on n'a pas, d'ailleurs, on n'a pas regardé encore. Enfin, on sait techniquement que ça va marcher, mais c'est pour les conditions extrêmes de froid. Donc, du coup, comment la station va se comporter quand on va la mettre, quand on va la mettre au pôle nord ou au pôle sud, et de voir un peu comment ça se comporte. Enfin, voilà, on sait que techniquement ça va marcher, mais on n'a pas encore fait de tests dans des conditions d'extrême froid. Bon. Eh bien, écoute, merci pour tout ça, Barbara. Merci pour ce partage magnifique. Évidemment, est-ce qu'on verra les étoiles? Attends, non, je suis obligée de poser cette question. Est-ce que depuis les Ibios, on verra les étoiles? Oui, parce que notamment le dôme de la serre, il est transparent. Donc on a vraiment travaillé à développer une membrane qui soit transparente et donc qu'on puisse voir le ciel et laisser rentrer la lumière pendant la journée. Bon, eh bien, écoute, on va finir là-dessus. Donc, merci à toi pour ces partages merveilleux. Vous retrouverez sur toutes les pages ConfKids les visuels que Barbara nous a montrés, les visuels des Ibios, la nuit, le jour, l'intérieur. Il y a aussi des petites BD sur le compte Twitter d'Interstellar qui sont très chouettes. C'est une façon de se projeter un petit peu dans ce monde-là de façon très ludique, avec plein de petits personnages, une petite fille, un astronaute, une femme qui a l'air d'être biologiste ou botaniste, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà, donc je vous encourage à aller voir ça. Barbara, un mot de la fin? Mot de la fin, continuez à croire en vos rêves, ne perdez jamais votre âme d'enfant. En fait, quelque part, hein, on ne devient jamais adulte, hein, on reste en fait enfant toute sa vie et c'est juste que parfois on oublie son rêve d'enfant. Donc cultivez le bien. Moi, je demanderai aux parents d'aider vos enfants à garder leurs rêves et puis et rien n'est impossible. Merci Barbara. Merci à tous les copains Bayam TV, Pixelis, l'Institut des Futurs Souhaitables, Mouvement Up qui nous ont soutenus pendant tout le confinement et puis qui sont avec nous à nouveau pour cette rentrée. Merci à Sam qui est à la réal comme d'hab. Salut Sam. Merci à Oli pour ton dessin qu'on va évidemment partager sur tous nos réseaux. Merci à Eric pour la partie pour nous avoir remonté les informations sur les réseaux sociaux. On vous donne deux dernières infos. La première, c'est qu'on va rester dans le ciel et dans l'espace jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'on a envie donc de prendre de la hauteur, donc restez connectés à ConfKids pour connaître les prochaines dates. On vous réserve quelques chouettes surprises. Et puis, on va vous proposer autre chose pour vous préparer à vivre dans les Ibios. Aujourd'hui, c'est le World Cleanup Day. Le World Cleanup Day, c'est donc le jour du grand nettoyage mondial. Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous doit ramasser au moins un déchet sur son chemin, dans la rue, dehors. Alors évidemment, vous lavez bien les mains après avec les gels hydroalcooliques, mais participez au World Cleanup Day parce que quand on vivra dans les Ibios, mais même déjà maintenant sur Terre, on n'a pas arrêté de le dire, la Terre, c'est notre Ibios géant, c'est notre vaisseau spatial. Et tous, on peut faire quelque chose pour la maintenir propre, pour la maintenir en bon état. C'est à nous que ça sert en premier lieu, donc participez au World Cleanup Day. Barbara, merci mille fois. Tous les jeunes, tous les parents qui étaient avec nous, merci mille fois à vous. On était heureux de vous retrouver. On vous embrasse, on vous aime et l'avenir n'a qu'à bien se tenir. Ciao! Salut!